Bonjour à tous, donc cette petite vidéo c'est la suite de la vidéo que j'avais postée sur comment insérer un graphique. Donc ici mon graphique il est inséré et je voudrais en fait que mes segments soient triés par valeur. Je voudrais par exemple avoir la plus petite valeur jusque la plus haute parce qu'ici donc c'est un peu trié en fonction donc des données que j'ai ici dans mon tableau de base. Comment faire? Je vais sélectionner une cellule dans mon tableau, n'importe laquelle, et je vais aller activer l'onglet Données. Dans Données, je vais aller dans Trier, et là, une boîte de dialogue apparaît. Donc, c'est exactement le même que le tri et le filtre, hein, c'est la même chose. Et donc, en triant les exclus du plus petit au plus grand, je vais évidemment avoir normalement la même chose dans mon graphique. Donc, voilà, ici, donc j'ai bien les villes qui ont été classées, donc du nombre d'exclus plus petit au plus grand nombre, donc c'est 1461 qui est le plus grand nombre. Sauf que dans mon graphique, il interprète ça différemment, donc il met les plus petites valeurs dans le bas pour remonter dans le haut. Or, je voudrais l'inverse. Eh bien, on va faire l'inverse dans notre tableau. On va en fait trier plus du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit. On va valider par OK. Et voilà, en fait, donc l'apparence de mon graphique va être totalement modifiée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt.